Ассаламу алейкум. Доехали мы до пещер. Надо минут 20 подождать здесь, пока гид придет. Без гида не запускают. Купили мы себе водички чуть-чуть попить. Покушать здесь ничего не было. Вот. Через 25 минут, я думаю, мы спустимся вот сюда. Да. Мы пойдем туда, на север. Вот они, билеты. По 7.20 они, по-моему, да. Здесь две пещеры. Первая и вторая. Курить запрещено. И вспышка запрещена. А так фотографировать и вспышки можно. Опа, летучая мышь. Начинается. Вот она дело. Сейчас пойдем. Короче, вспышки шмае, да? Делайте вспышку. И мы пошли. Мы запустим их и пойдем. Короче, вот такая вот пещера. Надеюсь, мы вернемся отсюда. И очень скоро, да? И очень скоро. Так, останься. Чего ты только нет? Можешь сюда подойти, ближе. А вот. Очень интересно. Нас зовут. À l'époque de l'ère secondaire, c'est-à-dire il y a 90 millions d'années, on était ici recouvert par une mer chaude et peu profonde, au fond de laquelle se sont accumulés des sédiments. Et il y a 65 millions d'années, cette mer s'est retirée, les sédiments se sont asséchés et ont formé la roche que vous avez au-dessus de votre tête, qu'on appelle tufo. Donc le tufo, c'est la roche dominante dans notre région, et c'est notamment grâce à elle qu'on a construit les châteaux de la vallée de la Loire. Et d'ailleurs, si vous regardez vers l'entrée, vous pouvez voir que les murs sont bien droits par endroits. C'est qu'à 11e et 12e siècle, l'homme est venu ici creuser des carrières et extraire la roche du sol. Donc une partie de nos grottes, en fait, a été creusée par l'homme. Et malheureusement, il y a une partie naturelle et une partie creusée par l'homme. Et donc, en ce qui concerne la partie creusée par l'homme, donc le tufo, c'est une roche poreuse, donc l'eau s'est affectée dans la roche et les hommes ont été obligés d'abandonner les carrières à la fin du 12e siècle. Et de nos jours, on a même la présence d'un lac, ici sur votre gauche, donc ce lac, vous le verrez dans les deux grottes. Il mesure 2,5 km² et il est connecté au Cher par des infiltrations. Si vous regardez la surface de ce lac, vous pouvez voir qu'il y a une fine couche blanche un peu comme de la glace. C'est de la calcite flottante ou carbonate de calcium. Alors pour les enfants, c'est un peu comme de la craie blanche que vous utilisez pour faire vos tableaux. Pareil.
Et donc cette calcite, elle s'accumule à la surface du lac. Et lorsqu'elle fait 2 mm d'épaisseur, elle se fissure et elle tombe, ce qui remplit le lac petit à petit de façon naturelle. Et ça explique pourquoi les carrières qui au début faisaient 3 mètres de hauteur ne font plus qu'à 1 m50, voire 50 cm par endroit. Donc c'est pas qu'ils étaient cachés. Et on a eu des effondrements, donc malheureusement le jour il est muré, on ne l'utilise plus. Donc, si vous vouliez aller au château, hein, ça sera par la route. La visite gratuite. Дорожка, пещера. На протяженность 8 километров. И она попадает прямо на село. Там поселок есть недалеко. Вот 8 километров. И она говорит, что во Вторую мировую войну эта дорога, эта пещера использовалась партизанами для проведения диверсионных акций против гитлеровцев. Тоже интересное место. Que les murs ne sont plus rectilignes comme avant, c'est car on est dans une partie qui s'est formée elle de façon naturelle. Et c'est tout simplement l'eau en s'infiltrant dans la roche qui a dissous le calcaire et permis la présence de cette pièce. Et ici, face à vous, vous avez même une cascade sèche. Sur cette cascade sèche, vous pouvez voir des compressions calcaires horizontales. Sur la droite, des stalagmites qui montent, des petits stalactites qui tombent. Et sur la gauche, des draperies. Et ces draperies, elles ont une petite couleur rosée, orangée. C'est car dans la roche, il y a de naturellement présente de la rouille et oxyde de fer qui donne cette couleur. Ce qui est moins naturel, ce sont les taches vertes sur la droite de la cascade, ce sont des algues. Et ces algues, elles se développent en présence d'oxygène, de chaleur, d'humidité et surtout de lumière. C'est pour ça qu'on vous demande de prendre des photos sans flash. Sur la gauche, sous la cascade, vous avez l'entrée d'un deuxième tunnel. Le deuxième tunnel, il se divise en deux parties. Une partie qui va sur 7 km en direction de Tours et qui rejoint le puits du domaine des Mazerets. Et une autre partie qui rejoint un autre château, le château de Luynes, en passant cette fois-ci sous la Loire et sous le Cher. Здесь пещера тоже раньше она была протяженностью 7-8 километров. На сегодня, ну, тоже выходила вплоть до города Тур в направлении. Но на сегодняшний день она просто используется как бы выход, такой безопасный выход в случае обвала, чего-то такого. Сейчас мы поднимаемся. Ну, как я понял, в большинстве своем эта пещера использовалась на военное время. Так, тут скользко чуть-чуть. 1700, я не понял. Il y a 4,80 g de calcaire par litre d'eau, c'est très important. Et c'est pour ça que depuis le milieu du 19e siècle dans nos grottes, on fait de la pétrification. Et la pétrification, ça consiste donc à laisser des objets comme ceux que vous voyez hein, sur l'étagère, qui sont en terre cuite, verre, faïence ou porcelaine, ou des cascades d'eau pour qu'ils soient recouverts de calcaire. Les objets, on les laisse 6 mois à 1 an. Il faut les déplacer toutes les 3 semaines, sinon ils se coincent entre eux. Et pour ceux qui sont en haut, vous regardez devant vous en contrebas et vous verrez des artichauts. Ce sont de vrais artichauts qu'on a mis là pour montrer que la pétrification peut se faire sur tout type de support. Même sur des légumes. Non, быстро говорить, не понимаю. Alors ensuite, pour ceux qui ont vu, on va redescendre. Hein. Alors, on va redescendre par là. Voilà, je laisse commencer à descendre sur la droite. On fait plein de calcaire, mon vieux. Il faut qu'on fasse tous les 6 mois, sinon tu vas comme les écrits. Le pauvre il va atteindre son intégrité. On a voulu ça. Гора здесь, вода капает с потолка. Да. Это даже не лед,
Я вам скажу. Ты даже не лед. Я не знаю. Будем спускаться. Я не лейтенант, я не генерал. Вот. Я не легионер. Меня не снимайте. Уже в увольнении. Ну кто там на французском говорит, перевод сделайте. Хорошо, кто говорит. Пускаем все, не задерживаем толпу. Да, тут очень скользко. Нужно спускаться очень медленно и осторожно. Да, тут очень скользко. À droite, des œillets dans un pot, au milieu des chardons et à gauche des pommes de pin. Les pommes de pin, ça fait 8 ans qu'elles sont ici et elles sont recouvertes par 8 cm de calcaire. Car dans nos grottes, oui, on a un dépôt de 1 cm de calcaire par eau. Elles contiennent 80% de calcaire. Que l'eau qui s'inquiète, c'est de l'eau de sources souterraines, qui est la tente sur en calcaire. Et l'eau, vous pouvez voir, c'est tout en continu. Voilà, voilà, et puis sur les forêts, vous dites ça. Pardon ? Ah non, je croyais une question. Alors vous avez également des moulins creux qui ont été mis là pour montrer, pour obtenir des tableaux en calcaire. Ils sont laissés là 2 à 3 ans, de temps qu'ils soient complètement recouverts. Il faut aussi les déplacer toutes les 3 semaines. Et vous avez des bassins remplis d'eau qu'on appelle gourds. Et dans ces bassins, parfois, on a des grains de sable qui tombent. Et sous l'action de l'eau, ils vont eux aussi se recouvrir de calcaire. Et on va obtenir des perles des cavernes qui peuvent atteindre jusqu'à 1 cm de diamètre. Все пошли на выход, а мы пошли снимать. Сильно? Ну, кто знаток пещер, знает, скажете, наверное, от чего образуется все вот это. Главное, так красиво. Так, теперь идем туда, откуда возвращаются. Хорошо, что перевод сделали. Бабушка, осторожно, упадешь, не станешь. Нужно телефон снять, я сажусь на краю, вот здесь помогал. Alors je vais éteindre les lumières, messieurs dames. Двигайтесь, а то сейчас лампу свет выключает. À droite, il y a un renard. Au-dessus du renard, vous pouvez voir qu'il y a 3 stalactites qui sont asséchées. C'est car la source qui les alimentait s'est soit tarie, soit elle a été déviée. Au fond, l'oiseau, c'est un faisan. Les petits animaux un peu partout, c'est des fouines et des furets. Et sur la gauche, vous avez un blaireau. Alors, toujours à gauche, vous avez des stalactites, des stalagmites et même 2 colonnes. Et une colonne, c'est tout simplement lorsqu'un stalactite rencontre un stalagmite. Et dans nos grottes, il faut environ 100 ans à une colonne pour se former, ce qui est
qui est à l'échelle des grottes très rapide. Alors, je vais vous allumer la dernière salle. 100 lettres, даже может быть больше. Говорит, вот это ножка, и повторяется, вот это. Ну, очень быстро она происходит, как и образуется. А то ехать, мы ехать, а что за? Ладно. Alors, je vais tourner sur la droite, hein, et attention aux têtes. Человеческий рост. Au départ, on en avait 9 et 2 d'entre elles ont été envoyées aux archives du musée du Louvre. Sur la gauche, il y a des restes de sarcophages, donc de cercueils, hein, en tuffeau, qui ont été retrouvés à 1,50 m de profondeur. Par contre, il n'y avait pas de cadavre dedans, donc quelqu'un est passé avant. Au fond, il y a l'entrée d'une galerie. Alors cette galerie, elle s'étend sur 800 mètres et elle rejoint l'église de Savonnières, c'est le petit village de Babal là-bas. Hein. Car comme je vous l'ai dit, donc ici on a une température de 14 degrés tout au long de l'année, donc c'est idéal pour faire des caves à vin. Et enfin au plafond, vous pouvez voir tout plein de minuscules stalactites. On les appelle fistuleuses ou macaronies comme les nouilles, car elles ont un trou au milieu par lequel l'eau s'écoule. Alors ici on a seulement 2 à 3 mètres de roche au-dessus de nos têtes, et l'eau qui s'infiltre c'est de l'eau de pluie, alors qu'avant c'était de l'eau de source souterraine. Donc l'eau elle est beaucoup moins calcaire ici, c'est pour ça qu'on a uniquement ces petites fistuleuses. Plus en arrière, hein, on peut voir des stalactites. Donc c'est qu'on a tout simplement plus de hauteur de roche. Et au sol, par contre, il y a des stalagmites qui montent. Voilà. On образуют сосульки от дождя. Фессульки. Не забыл, как он называет. Сейчас направляемся во вторую пещеру. Дорожка здесь протоптана. Да. Штаубушен, короче. Ой, цахич, ног чуть-чуть, аж пещеры, чуть отдыхи, да? Туристический база. Ой, сын. Еще место, чтобы база. Сейчас я делал вторую пещеру. Да. Пошили, а ты что? Да. Через что? Это не пещера. Это génial pour attraper la crève. Alors, est-ce que vous étiez les dernières, mesdames, dans la grotte? Так, магазинчик. Alors, je vais vous faire les petites explications, mesdames, sur les résultats de la pétrification. Vous avez donc des objets qu'on a laissés 6 mois à 1 an dans les grottes et qui sont recouverts par 3 à 4 mm de calcaire. Ces objets ont un petit aspect brillant. C'est car dans la roche, il y a de naturellement présents des cristaux de silice qui donnent cet aspect brillant. Cristal. Si on ne les déplace pas toutes les 3 semaines, ils se collent entre eux comme ces deux chouettes. Et après, on ne peut pas les décoller, sinon on les casse. Vous avez aussi des tableaux en relief.
Alors pour les réaliser, on utilise comme base des matrices en cuivre ou en bronze telles que celles-ci qui ont été sculptées au 19e siècle et qui sont des copies de pierres lithographiques du 19e siècle. Donc la plupart du temps, elles représentent des scènes de vie champêtre ou des scènes mythologiques. Et au 19e siècle, lorsqu'ils faisaient de la pétrification, ils utilisaient une gomme végétale, la gutta percha, qu'ils faisaient fondre et qu'ils coulaient sur la matrice en relief pour obtenir un moule en creux tel que celui qui est là-haut, qui est noir, qui était très rigide, qu'ils plaçaient ensuite 2 à 3 ans dans les grottes pour qu'ils se recouvrent de 2 à 3 ans. Technique bien compliquée. Et heureusement, de nos jours, miraculeuse invention, je ne sais pas si on a des pâtissiers dans la salle, le silicone. Donc on utilise des moules en silicone, tels que celui-ci, qui sont souples. Et pour éviter qu'ils se déforment sous le poids de l'eau et du calcaire, on les met dans des étuis métalliques. On place donc l'ensemble 2 à 3 ans dans les grottes. Au bout de 3 ans, vous voyez le résultat, la plaque est complètement recouverte de calcaire. On enlève alors les surplus de calcaire sur les côtés qu'on n'utilisera pas. On enlève la plaque métallique. Et il ne reste plus qu'à démouler le moule en silicone délicatement en commençant par les coins. On obtient une plaque en relief telle que celle-ci. Donc je vous laisserai admirer la finesse des détails car ces plaques ne sont pas retouchées à la main, elles sont obtenues telles quelles. Certaines sont un peu translucides comme ici, c'est car elles ont été laissées moins longtemps dans les grottes, il y a moins d'épaisseur de calcaire. Certaines ont une petite couleur rosée, orangée, c'est la rouille oxyde de fer qui donne cette couleur. Et pour celles qui sont laissées le plus longtemps, on a même un aspect patiné comme ici. C'est tout simplement le calcaire au contact du silicone qui donne cet aspect avec le temps. Donc je vais vous laisser en garder le musée. Dans les vitrines du fond, vous avez les pierres lithographiques et les matrices du 19e siècle, ainsi que les perles des cavernes. Dans la petite vitrine, on a des fossiles marins qu'on a retrouvés dans nos grottes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Я думаю, там объяснять не надо было. Она рассказывала, что держит этот силикон формочку и вставляли ее в пещере, чтобы вот так капало на нее. И в течение 2-3 недель образуется вот эта кристальная фигурка. €86 стоит вот эта штучка, тарелочка такая на стену. Скажу вам красиво. Вот эта фигурка летучей мыши стоит €32. А если вы покупаете, я бы купил вот это.
это что-то рыба, да, после рыбалки или орудие рыбалки, рыба, 100 евро это стоит. Maintenant, si, maintenant on a mis des pompes pour éviter que le lac donc, maintenant on a mis des processus parce que sinon l'évolution sur le montant de la droite, ce serait de se combler quoi, de se remplir complètement. Donc maintenant on a arrêté le processus. Ça, c'est vrai que sinon on pourrait plus faire les pistes aussi quoi. Oui, heureusement, une chose. Je sais qu'il y a une dame assez déjà ce qu'elle veut. D'accord, oui, bah, je vais voir si je repars tout de suite ou pas. D'accord, ok. Bah, t'as qu'à me l'envoyer et puis. Donc je vous laisse avancer vers la deuxième. C'est sur la droite. Alors, messieurs, dames, vous vouliez revenir au musée? Oui. Так. Входим в вторую пещеру. Под вот этой возвышенностью. Горой я это не назову. Но возвышенность. Короче, этим местом в свое время партизаны пользовались. Вот такая металлическая дверь. Не влезь, убьет. Retour à la fraîcheur. Ой. Заходим в холодное место. Pourquoi vous fermez la porte? J'ai peur. Pourquoi vous fermez la porte? C'est pas fermé à clé. Ah oui, d'accord. Vous êtes claustrophobe? Non, c'est bon. Je rigole. Alors, donc on va commencer ici, en fait. Et donc, cette grotte, elle ne faisait qu'une seule et même grotte avec la première grotte. Il y a eu des effondrements, donc elles ont été séparées. Et lorsqu'ils ont découvert la première grotte, il a fallu attendre 400 ans que celle-ci soit découverte à son tour par trois spéléologues qui sont arrivés à travers la faille qui est éclairée là-haut. Donc quand ces trois spéléologues sont arrivés, il y avait uniquement cette faille de présente. Et les couloirs qu'on utilise aujourd'hui, ils ont été eux creusés dans les années 60 pour permettre les visites guidées. Et ils ont découvert, ces trois spéléologues, une deuxième faille qui les a menés dans sa principale. Вроде не скользко. Тут и динозавры уже начались. Ух ты, динозавры! Alors, dans un premier temps, je vais vous montrer par où sont arrivés les trois spéléologues, c'est par ici. Ils sont arrivés à travers le tout petit trou qui est là-haut. Ah oui, ils n'étaient pas gros alors. Non, pas catastrophique, pas gros. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont vu un renard se faufiler entre les rochers. Ils l'ont suivi pour savoir où il allait. Et en rampant sur une quinzaine de mètres à travers ce tout petit trou, ils ont découvert cette pièce. Il y avait déjà à l'époque aussi cette cascade sèche. Et le reste de la pièce, c'est l'actuel propriétaire des lieux qui a décidé d'en faire une exposition sur les reptiles et les dinosaures, car il est lui-même passionné de préhistoire. Donc on va faire un petit tour des espèces présentées, en sachant que du temps de la préhistoire, maintenant qu'ici, on avait la mer. Donc la plupart des espèces ne vivaient pas ici même. Alors, tout d'abord, vous avez l'ichthyostega. C'était un amphibien, c'est-à-dire qu'il vivait dans la mer et sur la terre. Et il se nourrissait de petits animaux marins. C'était un peu comme une grosse salamandre. À côté, la mégamura libellule géante. Elle est représentée ici à taille réelle. Je laisse donc imaginer la taille de ses prédateurs.
qu'elle mangeait des insectes et des petits amphibiens. Par contre, elle était légère, 150 grammes seulement. Sled de dinosaure. Ouais. Bah, les ailes, c'est pas le gros. À côté, un autre amphibien, le Diplocolus, qui lui avait une tête triangulaire et plate, un peu comme celle de la Rimenta. Et lui aussi mangeait des insectes. Toujours à taille réelle, le Dimétrodon, qui avait des petites dents effilées et une crête qui lui servait à se réchauffer et à se rafraîchir. Bon, lui, c'était un sympa, hein, vous voyez, il prend la pause pour les photos. Le voisin, le Parkeria. Alors lui, il était très petit, 60 cm seulement. Il était bipède, il se déplaçait rapidement sur ses deux jambes, et il était carnivore, il mangeait d'autres reptiles. Après, on n'est plus du tout à taille réelle avec le Thalistrophilus, puisque lui faisait 6 mètres de longueur et 3 mètres de hauteur. Il avait un cou qui avait une dizaine de vertèbres, et il mangeait des poissons et des coquillages. Alors lui, on le retrouvait par ici, hein, par contre. À côté, le Rhamphorhynchus qui avait des ailes similaires à celles de la chauve-souris, beaucoup plus grandes évidemment, et lui aussi mangeait des poissons et des œufs. Puis après, on passe à l'ère des dinosaures, avec l'Anatosaurus. Le Planatosaurus, il était très grand, 12 mètres, et très lourd, 4 tonnes. Il avait une bouche un peu comme un bec de canard, mais avec à l'intérieur des centaines de petites dents, et il était herbivore, il mangeait des feuilles. Celui-là, les enfants, vous connaissez sûrement, peut-être, hein, le Triceratops. Triceratops, voilà. On appelait comme ça tout simplement parce qu'il avait trois cornes qui lui servaient à se défendre contre les autres dinosaures. Et un bec en os, un peu comme un bec de perroquet. Et puis aussi, il était herbivore. Et là, on n'est pas taille non plus, puisque la butte, mais sur les mer faites, elle faisait 5 tonnes. Et enfin, la terreur des mers. Ah, mais avec des morts. Là, qu'est-ce qu'il m'a dit qu'il fallait prendre le pancarte. Ah, bah oui, bah attends, faut le frapper. Le Tylosaurus. Alors, le Tylosaurus, il était très grand, lui aussi, 14 mètres. Pour la chose, il avait deux paires de nageoires qui lui servaient à nager rapidement. Et il était un peu grand. C'est un peu comme l'ancêtre du crocodile, en fait, mais beaucoup plus long. C'est un peu imaginer la taille de la gueule. Il doit faire 2-3 mètres de gueule. Alors, on va maintenant refermer notre parenthèse sur la préhistoire et on va aller voir des cascades actives. Et de nouveau, hein, pour les plus grands, attention aux têtes. Chasse. Moquette. Tous les arbres. Что-то похожее на крокодила в свое время. И это чудище было 14 метров. 14 метров? 9 метров, лобовцев. 80 миллионов лет назад. 80 миллионов, да. 80 миллионов лет назад. Attention. Nous sommes là. Attention, vous mettez les pieds, oui. Alors ici, vous avez des cascades actives qui sont très blanches, car elles sont faites de calcaire pur. Et ce qui tombe devant vous, ce ne sont pas des stalactites, ce sont des draperies plates. Les stalactites, l'eau, elles coulent en goutte à goutte, alors qu'ici, on peut voir qu'elles tombent par petites vagues. C'est parce qu'au-dessus, en fait, on a des bassins remplis d'eau. Et lorsqu'ils sont complètement remplis d'eau, vous avez la dernière goutte qui fait déborder le vase et qui crée ces petites vagues. Et donc ici aussi, on fait de la pétrification. Vous pouvez voir les plaques qui sont laissées 2 à 3 ans. Et d'ailleurs, si on ne les déplace pas toutes les 3 semaines, hein, vous voyez que certaines se sont collées à la cascade. Et dans les bassins d'eau à vos pieds, on a des objets laissés 6 mois, 1 an. Et le fait de les mettre dans les bassins remplis d'eau, c'est ce qui leur donne leur aspect brillant, car les bassins sont spécialement riches en silice. À côté, vous avez une autre cascade similaire, avec encore plus d'objets. Donc je vous laisse un peu imaginer tant qu'il faut, hein, pour déplacer tous ces objets, hein, 3 semaines. Vous videz toute la cuve et
et après enlever tous les objets qui sont en hauteur. Donc c'est plusieurs jours de travail. Hein. Et on a quelqu'un qui travaille dans la grotte pour ça, qui est pétrificateur. C'est un job. Ici, on voit bien l'eau qui s'écoule par petites vagues. Et sur la gauche, vous avez une poupée. C'était une poupée en plastique avec une robe en laine qui a été mise là pour montrer de nouveau que la pétrification peut se faire sur tout type de support. Donc il a fallu 2 ans pour qu'elle soit complètement recouverte de calcaire. Et on a volontairement dégagé son visage pour ne pas effrayer les enfants, sinon ça fait un peu trop à l'eau. Donc je vais vous laisser avancer vers la troisième cascade. Вот эта вода капает и образуется в конюшне. Тут вода тоже. Идем дальше. В первый раз в такой пещере. Эти ощущения тоже. Фигурки. Вот эти лужицы. Тоже полно этих фигурок. Все это фигурки лежат. Я скажу вам, это и не лед, и не знаю, что такое. Вот я трогаю, что-то вообще странное, без понятия. Знаток объяснит, скажет, что такое. Et ici, donc sur la gauche, vous avez le lac, c'est le même qu'en première grotte. Donc on peut voir le fond, donc il n'est vraiment pas profond, hein. En moyenne il fait 50 cm de profondeur. Avec au fond les plaques de calcite flottantes qui se sont accumulées. Et je vous avais dit qu'il était connecté au Cher par des infiltrations, ce qui veut dire que lorsque le niveau du Cher augmente, le niveau du lac augmente. Et dans le passé, on a eu des inondations, c'est pour ça que vous avez le sol qui est gondolé, c'est l'action de l'eau lors des inondations. Ah oui. Действительно, при бомбежке прятаться место хорошее. Да. При бомбежке прятаться хорошо было бы здесь. Надо было нашему правительству тоже, когда на нас фашисты напали, в лице Ельцина и его команды, вырыть такие пещеры вплоть до союзных республик. О, тут как раз про Ельцина вспомнил и вот сюрприз. Ельцина, which was at one bush, which are the Pishirsh, Yazaria, Kakas, Horstuk. Так, нас тут. И тут наливает и отпускает. Интересно.
интересно, не обязательно. Ты ничего нет? Ха, та сон алкоголь лишь гада. Pour les infos, oui, je vous chèque. Ah, il s'en. Ah, rien. Avant de passer la dégustation, elle se faisait dans la petite salle qui est sur votre droite. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de hauteur de plafond, donc les gens passaient leur temps à se cogner. Donc maintenant, on n'y va plus. Moi, je pense que c'est génial. Hein. Ah, non, c'est bon, ça va pas. Смотрю, там центр сыра. Да. Стоимость из рядом с бутылок. Это он все связан, или Кочанга все отряд. Он что я ехал, да? Столик еще дальше. Вот она, подводная лодка, амфибия. А? Можно уплыть туда далеко. Вот если поплавать, вообще было бы классно здесь. Вот весь смысл был такой интересный. Так. Уже три бутылки вина. 23, 24, 15. Алкоголикам и тунеядцам. Угощают здесь, наливают. Они бухают здесь. Может, спросим, есть что без этого? А нам не надо. Вот такая вот экскурсия у нас. Так, возвращаемся. Уже в винный зал. Возвращаемся в винный зал. Тут ее угощают и наливают и отпускают. Что-то еле мяться у нас. Еще мы говорили, я шел в пещере, еще вдруг сихал. Вроде бы все. Откройте ваши глаза. Oui, bon. Cette grotte, non, c'est la grotte Gilles, tout simplement parce que l'un des trois spéléologues qui l'a découvert s'appelait Monsieur Gilles. Et quand on découvre une grotte, on devient son inventeur. Voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne journée, messieurs dames. La visite s'arrête ici. Profitez bien du soleil tant qu'il y en a. Вот они. Когда-то здесь был океан мировой. Все, вышли. И на этом все. Фу. С холодной пещеры выходишь. Спотели мои очки. Да. От холода. Ну, очки. Спотели. Спотели очки. Вот и все. Наша прогулка по пещере закончилась. Так что, друзья, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Ждем новых видео на канале Франция Студио.